Salut tout le monde! Alors, je viens vous faire un petit coucou ce soir pour vous montrer une dernière fois cette coiffure que je ne supporte plus, d'ailleurs qui n'est pas ma coiffure habituelle. Voilà, j'ai les cheveux attachés, chaque vidéo que vous voyez, j'ai les cheveux attachés avec un serre-tête, voilà, une petite queue, et en fin de compte, c'est pas du tout ma coupe. Au départ, j'ai une frange, j'ai une coupe au carré, un carré plongeant, voilà. Et là, vu que je les laisse un peu pousser et que j'avais envie de changer de coupe, on va dire que j'ai laissé un petit peu aller et demain, je vais chez le coiffeur. Donc demain, je vous ferai voir ma nouvelle coupe. On va peut-être changer un peu la couleur, voilà. Enfin bon, on verra. Je vais voir tout ça demain avec ma coiffeuse. Donc je voulais vous montrer une dernière fois la nana avec les cheveux tirés, sans serre-tête, la fille qui ressemble pas à grand-chose, à mon sens, hein. Voilà, moi j'en ai marre, voilà, c'est pas du tout ce auquel j'aspire, voilà, en ce moment. Alors, on va dire que c'est un petit peu un laisser-aller qui peut pas continuer comme ça. Non, eh non, 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 la nana, elle va se reprendre. Voilà, mais à un moment donné, il y a des périodes où, bon, on n'a pas tellement, puis il fait pas très beau, ça caille, il neige, il grêle, il pleut, enfin bon, bref. Et à un moment donné, entre nous soit dit, on n'a pas trop envie de s'arranger, alors qu'est-ce qu'on fait? On bouffe, c'est ce que j'ai fait, on prend du poids, ben, c'est ce que j'ai fait aussi, hein, j'en suis à 4 kilos, pour pas dire 5, en plus. Voilà, donc j'arrive à 60, on va dire 73 bons kilos. Bah oui, à force de manger des saloperies, hein, du chocolat, et vas-y que je te gave, et puis manger tout l'après-midi. Voilà, ça s'arrange pas, quoi. Voilà, d'accord? Donc là, eh bien, la fille, elle va se reprendre en main. Et on commence par le coiffeur. Voilà. Épilation aussi, tant qu'on y est, mais ça, bon, vous doutez bien que je vais quand même pas vous montrer. L'épilation de ma bande maillot non plus. D'abord, ce serait refusé par YouTube, parce qu'ils sont très très stricts. Hein. Oula! Surtout, ne mettez aucune vidéo avec une seule nana un petit peu dévêtue. Hein. Parce que alors là, ils vous raillent tout de suite. Moi, j'ai fait une vidéo sur un autre profil que j'ai, sur des femmes nues, mais qui étaient très belles, parce que je trouvais ça. D'abord, je trouve le corps de la femme très très, enfin oui très beau, voilà, et c'est plus de l'art. J'avais choisi, vous doutez bien que j'avais pas choisi des photos pornographiques non plus, hein. J'avais choisi des photos très très artistiques, très belles. Ils l'ont laissé pendant un temps. La première fois que je l'ai mise, ils me l'ont enlevé en me prévenant gentiment et me disant que la prochaine fois, ils supprimeraient mon compte. Hein, voilà, donc ils m'ont donné un averto. Oui, un avertissement. Bah ouais, bon, c'est comme ça. Et puis j'ai retenté le coup. Je l'ai remise. J'avais énormément de vues sur cette vidéo parce que franchement, elle était belle. Donc ils ont pas dû s'en rendre compte tout de suite, hein, parce que ça faisait des mois qu'elle y était. Puis il n'y a pas longtemps, là, j'ai reçu un avertissement comme quoi il supprimait la vidéo et que là, si par malheur je la remettais, eh bien, j'allais gicler. Bon, bah voilà, bon, j'ai pas spécialement envie de gicler, hein, parce que maintenant, moi, je m'amuse bien avec vous. Hein, alors, bon, vous amusez peut-être pas avec moi, moi, je m'en fous, moi, je m'amuse, c'est ce qui compte. Et si je vous amuse, eh bien, c'est encore mieux. Voilà. D'ailleurs, j'avais fait une chorégraphie, je suis pas danseuse et je fais ce que je veux aussi. Si j'ai envie de danser, je danse. Et d'ailleurs, je danserai tous les jours maintenant. Tiens, ça me fera peut-être perdre mon poids. Voilà. Alors, bon, je suis pas venue non plus pour vous parler de danse et pour vous parler de mes vidéos qui sont censurées sur YouTube. Simplement parce que je voulais vous montrer ce soir la coiffure que je vous présente sur toutes les vidéos depuis que j'ai commencé. À part peut-être une fois ou deux où j'avais au début les cheveux carrés. Là, j'ai quand même, à mon avis, si j'ai pas 1,5 cm de racine, c'est que j'en ai pas. Donc 1,5 cm de racine, cheveux blancs, ça fait un peu crado, hein. Et là, il faut quand même le dire, hein. Bon, enfin bref. Donc demain, rendez-vous chez le coiffeur à 14 h. Alors par contre, bon, en principe, je suis très contente d'elle, elle est géniale. D'ailleurs, on en parlera plus tard. Je suis très très contente d'elle. Je vais chez elle depuis maintenant plus d'un an. Et elle est au top, cette nana. C'est elle qui m'a fait le tatouage. Oui.
Oui, bah oui. Tatouage des sourcils. Alors, vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer quelque chose. Les nanas qui se sont amusées à se raser des sourcils, ben, je vais vous donner un conseil, ne le faites pas. Alors, si vous le faites une fois en passant, peut-être qu'effectivement, vous n'aurez pas de séquelles, entre guillemets, mais j'ai dans les années 69, c'était la grande mode des sourcils rasés et on se les redessinait à la Marlène Dietrich. J'habitais à Paris à l'époque et bien évidemment, étant toujours très tendance, très excentrique, toutes les nanas se rasaient les sourcils. Donc effectivement, on était obligé de les raser tous les jours. Hein. Donc on se rasait les sourcils tous les jours et on se les dessinait comme ça, très ronds et voilà. Le problème, c'est qu'à la base, j'avais des sourcils super, sympas, normaux et à force de les raser, j'ai fait ça pendant presque un an. À force de les raser tous les jours, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les sourcils ont repoussé n'importe comment, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de forme. Ils étaient complètement parsemés. Oui, ça c'est le problème du rasage de sourcils. Voilà. Et si vous voulez, je n'ai jamais plus retrouvé la forme de mes sourcils. Je n'ai jamais plus retrouvé les poils réguliers de mes sourcils. Et donc, pendant des années, je les ai dessinés au crayon, etc. J'en avais ras-le-bol. Parce que c'est vrai que le matin au réveil, quand vous vous réveillez avec trois poils là, comme ça, ça fait pas terrible, hein. Parce que je trouve qu'un œil qui n'a pas de sourcils, je sais pas, il fait un peu dépouillé l'œil, tu vois, voilà, quoi, tu vois, public. Bon. Donc, ça fait des années maintenant que je l'ai fait tatouer. Donc là, parce que c'est du semi-permanent, comme vous le savez. Et donc, au bout d'un certain temps, ça ne s'en va pas du tout, hein. On va dire que ça s'atténue ou que ça vire un peu. Donc, ils avaient un peu viré au roux. C'est pas top. Et là, donc, ma coiffeuse qui sait tout faire, qui fait du maquillage semi-permanent, qui fait de l'esthétique, qui fait des ongles aussi américains, enfin des poses de voilà, elle fait tout. Elle fait tout. Elle est au top. Elle est toute seule. C'est uniquement sur rendez-vous. Et alors, en tant que coiffeuse, elle est géniale. Voilà. Donc. Demain, donc, pour vous montrer, moi je les trouve super sympas. Voilà. De toute façon, j'avais pas le choix. Hein. C'était ou ça, ou j'étais chauve du sourcil. Alors, vous me direz, chauve du sourcil, c'est pas top non plus. Hein. Bon, voilà. Imaginez un œil très con, là, comme ça, sans sourcil. Là. Hein? Ah, ça donne ça. Pas top. Voilà. C'est quand même mieux. Quand même mieux, regardez tout de suite. Voilà. Donc, voilà, pour en venir à ça, parce que je vais pas rester 3 heures ce soir, hein, je vous ai déjà fait une choré ce matin, hein. Nul. Vous pouvez le dire, mais vous pouvez le dire que c'est nul. Je ne sais pas danser. Et j'adore danser. Alors j'en ferai de temps en temps des chorés, ça me fait plaisir. Oui, j'ai envie de danser, et j'ai envie de me filmer, je vous ferai voir comme je danse. Puis peut-être que je vais progresser dans le fond. Hein. Vous allez voir, dans quelques temps, je risquerai peut-être de vous surprendre, vous rirez moins. Enfin bref, on va pas s'étendre sur le sujet. Hein? Ça vaut pas la peine. Voilà, bon. Donc, oui, j'ai le droit aussi de faire du ménage. Hein? Oui, j'ai le droit de nettoyer ma table d'ordi, qui est toujours dégueulasse d'ailleurs, je comprends pas. C'est parce que je parle. Et quand je parle, je postillonne. Bah oui, heureusement que vous n'êtes pas en face de moi d'ailleurs. Enfin, vous y êtes, mais il y a l'écran. Hein? Sinon, bah, vous ferez prendre un parapluie. Vous n'auriez pas le choix. Voilà, un petit parapluie pour vous abriter de mes crachats. Désolée. Pourtant, j'ai des dents, elles sont pas écartées, et ben ça postillonne. Ben, j'y suis pour rien. Voilà, donc alors ça m'énerve. Je suis toujours en train d'essuyer cette table d'ordi. En plus, elle est en verre. Mais quelle idée, en verre noir. Alors on voit que ça. Et comme je suis maniaque, et ben c'est pénible. Voilà, bon, ça m'énerve. Je suis énervée là d'un coup. Voilà, je suis énervée. À cause de cette table-là. J'allais bien là tout à l'heure. J'étais bien, j'étais contente, j'allais vous montrer mes cheveux là. Regardez-moi ça, serre-tête là. Toujours le même. J'en ai plein, mais je m'excuse là. Peur des fois, là, ça m'énerve. Regardez, ça fait des raies là. Ben oui, c'est normal, il y a des racines. On voit les raies. Alors d'un coup, je pars, je suis calme, et au bout d'un moment, je m'énerve là. D'un coup. Bon, enfin bref, pas m'énerver quand même. Allons. Bon, enfin bref. Et vous n'avez pas remarqué un truc? Sur mes vidéos, je suis sûre. Ou alors vous avez remarqué et vous n'avez pas osé me le dire. Hein. Mais alors ça, c'est hypocrite. Hein. Vous n'avez pas remarqué le bruit quand je parle, ce bruit-là. Eh bien, c'est mon fauteuil de bureau. Ben oui. Mon fauteuil de bureau grince.
Vous pensiez peut-être que c'était mes genoux? Marqué, ils grincent un peu. Eh ben non, mais écoutez, franchement, c'est pénible, hein. Par contre, effectivement, moi je l'aime bien parce qu'il tourne. Et puis il roule. Et je m'en vais, je reviens. Voilà, ça c'est. Voilà. Bon, bah écoutez, il fait du bruit, hein, ma foi. Ça fait une petite musique de fond, hein, écoutez. Moi, je crains pas non plus, hein. Voilà. Donc, bah, quoi vous dire d'autre? Ce soir, j'aurais bien regardé la télé, mais il n'y a rien. Enfin, je sais pas, j'ai pas regardé le programme, ceci dit. Mais bon, de toute façon, à la télé, il n'y a plus rien, moi ça me gonfle. La télé, bah, qu'est-ce qui nous passe? Bon, des émissions qui peuvent être intéressantes, mais alors ils vous les passent à minuit on dort, hein, parce que moi tous les matins, alors tous les matins, depuis quelque temps, réveillé à 5 h. Bah ouais, je sais pas pourquoi, hein. Je suis réveillée là comme ça, j'ai les yeux comme ça, 5 h du matin, 5 h du matin, franchement c'est pénible, hein. Alors je me lève, bah ouais, parce que j'ai plus sommeil, et alors après je vous dis pas, hein. À 7 h, ça me joue, boum! Et là, alors je me rendors, plus ou moins, ou je dors pas. Et j'ai la tête dans le toute la journée. Enfin bon. Là, je me réveille le soir, à l'heure d'aller se coucher presque. Enfin bon, c'est pas grave. Écoutez, hein, on va pas non plus en faire tout un plat. Voilà. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte d'autre? Ce que j'ai fait aujourd'hui, je vais chez le dentiste. Ça vous intéresse? On est en train de me faire une couronne pour une canine. Ouais. C'est pas qu'elle était en train de tomber, hein, ni qu'elle était abîmée. Elle me faisait un peu mal. Voilà, elle m'avait trifouillé un peu, elle m'avait touché le nerf, et d'un coup, j'avais pas mal avant, et d'un coup, en me touchant ce nerf, eh ben, je pouvais plus, je souffrais le martyre. Donc, finalement, aidez-moi quand même! Mais pas déstabiliser, on déstabilise pas une dent! Désensibiliser? Non, c'est pas ça. Enfin, écoutez, on a enlevé le nerf, ça me revient pas, hein. Ben, vous verrez quand vous aurez mon âge. Si ça me revient, je vous le dirai. Donc, et vous pourrez le marquer d'ailleurs, hein, le mot, quand, si vous voulez, dessous. Hein. Dévitaliser! Et toc! Hein? Dévitaliser! On dévitalise une dent. Voilà, entendez le fauteuil. Hein. Donc, voilà, donc j'ai fait ça aujourd'hui. Je suis pas allée chez Noz, hein, parce que vous pensez bien, je ne vais pas tous les jours aller dépenser des ronds non plus. Hein. Bon. Au bout d'un moment, ouais. Faites des économies, c'est pas cher. Si tous les jours vous allez acheter, bon, ben à la fin du mois, vous n'avez plus une thune. Hein. Voilà. Alors aussi, il y a un truc, je vais partir, mais ça, je vous le dirai plus tard. Je vais vous faire attendre. Mais je pars pas longtemps non plus, donc je ferai pas de vidéo. Eh oui. Alors profitez-en, d'ailleurs, si ça vous dit. Si vous n'êtes pas obligé non plus, hein. Et pendant mon absence, ben vous en profiterez pour regarder toutes celles que j'ai faites, là, tous les jours, je me suis. Crever, crever, je me suis tué la santé pour les vidéos que j'ai faites là. Je me suis tué la santé. Oui, la chaise, elle fera du bruit. Je me suis tué la santé pour vous. Il y a des. J'ai des commentaires qui sont superbes, il y a des nanas super sympas. Alors je tenais à vous dire, les filles, super, vous faites des commentaires d'enfer. Moi, je vous adore. Vous êtes trop mignonnes. Trop mignonnes et ça fait plaisir. Voilà. Alors je ne vous connais pas, c'est du virtuel, mais je vous aime. J'ai le droit? Voilà, les filles avec qui j'échange comme ça, qui je réponds, ben je vous aime. Parce que, ben, il y a quelque chose. C'est super. Voilà. Ce qui est marrant, c'est quand même que j'étais venue vous voir uniquement pour vous parler de mon coiffeur de demain. Hein. Bon, alors, regardez-moi une dernière fois. Et puis alors, c'est chiant, hein, parce que vous remarquerez quand même. Ben oui, j'ai des lunettes. Ben obligé. Voilà. Et ce qui est très énervant. C'est que ça reflète dans les lunettes. Alors il faudrait que je trouve un système pour que vous puissiez voir mes yeux. Peut-être comme ça là. Un peu con hein, si je reste comme ça pendant toute la vidéo. Comme ça. C'est pas terrible non plus comme ça. Hein. Ah! Ouais. Enfin non, voilà. Regardez, regardez. Vous voyez que je suis chauve là. Ouais. Bon. Je sais pas quoi faire. Prochaine fois, je vais mettre des lunettes de soleil. Remarquez, vous me direz, vous ne verrez pas plus mes yeux. Hein. Enfin, il n'y aura pas ce reflet, au moins, dedans. Je pense que si je reste comme ça, bon, enfin, ça fait peut-être un peu la tête dans les épaules, mais peut-être, voyez, regardez, là, en étant comme ça, ah, ben là, vous les voyez, les yeux, là, hein? Je ne suis pas maquillée, non, non, j'ai rien sur les yeux. Non, non, j'ai rien. Les lèvres, un peu de fard à joues, non, les yeux, puis... Vous savez, je ne me maquille pas trop, pas trop, pas trop. J'aime bien naturel. Voilà. Je vous l'ai déjà dit.
Donc demain, ben je vous dis rien parce que je sais ce que je veux. J'espère qu'elle va le faire. Là, si elle ne réussit pas, à mon avis, elle va peut-être souffrir, la fille. Non, je l'adore, c'est une copine. En plus, elle vit avec mon meilleur ami, alors bon. Si elle me rate pour une fois, ben, elle ne va pas me rater. Donc demain soir, je vous ferai une petite vidéo pour venir vous montrer ma nouvelle coupe de cheveux. Si vous êtes d'accord. Par contre, si vous voulez, il va falloir le marquer, là. Dire, ouais, viens, viens, on veut te voir, on veut te voir. Sinon, je vous garantis que vous ne me verrez pas. Ah non, 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 non. Puis alors là, vous pourrez pleurer, hein, dans vos chaumières. Mais personne ne me verra. Je ne vous ferai pas voir ma coupe de cheveux. Ah, il faudra l'écrire. On veut te voir, on veut te voir. Tout le monde, là, tout le monde. Je veux tout le monde, là, cette fois, sur le coup. On veut te voir, on veut voir la coupe que tu as. Même si je ne suis pas belle, je m'en fous, je vous la ferai voir quand même, promis. Et si vous marquez rien, il n'y en a pas une qui me verra. Ah ah! On rigole moins là, hein? Attendez, je vais. Mais. Ah, regarde. Moi, je sais pas comment vous faites, les filles, avec vos lunettes. Enfin, il faut dire que mes verres ne sont pas anti-reflets, hein. Mais je sais pas comment vous faites pour qu'on voie vos yeux. Vous les voyez là? Ah, ça, j'adore. Ah oui, ça, j'aime bien. J'adore être naturelle comme ça, des fois. Ça me plaît. Mais enfin, bref, écoutez. Sur ce, ben je vais vous laisser. Hein, voilà, ben écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. Faites ce que vous voulez. Vous regardez la télé. Vous sortez. Vous allez prendre un pot, vous allez au resto. Vous pouvez même faire crac-crac avec votre mec si vous en avez un. C'est pas défendu ça. Bon. Moi j'en ai pas, mais par contre, quand j'en aurai un, je vous le dirai pas. Hein. Enfin, si. Je vous dirai peut-être que j'ai rencontré quelqu'un, mais je ne dirai pas si je fais crac-crac ça. Alors là. C'est personnel quand même, hein. Attendez, on va pas non plus tomber dans le porno. Jamais de la vie. Donc, bah écoutez, passez une bonne soirée, amusez-vous, soyez fous. La vie, même avec tous les problèmes qu'on peut avoir, il faut qu'elle soit belle. On doit rester de bonne humeur. Voilà. Et puis, de toute façon, ça ne change rien. Rien. Les problèmes, on les a, ils restent. Alors, essayons au moins de prendre la vie du bon côté quand ça se présente. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, les filles, les gars, enfin tous, les enfants, les bébés. Non, bébés, les chiens, les chats, les chameaux. Pourquoi pas, les dromadaires. Ouais, je sais pas, moi, une girafe. Bon, bah, écoutez, les girafes, moi, je vous souhaite une super soirée, hein, avec vos grands coups, là, hop là. Et puis, je vous dis à demain. Mais, s'il n'y a rien d'écrit, vous ne me verrez pas. Oui, je fais du chantage, oui. Oui, je fais du chantage, j'ai décidé de faire du chantage maintenant. Voilà, c'est un ultimatum, prenez-le comme vous voulez. Vous voulez me voir demain, vous l'écrivez. Vous voulez pas, ben vous l'écrivez pas, et puis vous ne me verrez pas, et puis voilà. Je vous fais des gros bisous, hein, quand même. Bye bye. Bye bye le monde. À demain. Et soir, je vous avais dit au revoir tout à l'heure, je suis revenu là, comme ça, j'ai bu mon verre, je me mets à parler comme ça, mais on va comprendre. Mais je comprends pas. Mais je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas ce qui m'arrive. C'est pas bizarre. Et même le menton, là, regardez, il est fermé. Bouh, là, 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 mais alors, franchement, mais il y a des trucs qui se passent dans cette baraque, mais j'y comprends rien du tout, hein, disons. Alors, bah, écoutez. Ça fait rien, de toute façon, après je m'arrêtais de parler, je regardais la télé, alors peut-être pas parler, je sais pas, aux journalistes à la télé, aussi, hein? Allez, allez les girafes, ha! C'est pas des girafes, c'est des bœufs, des moutons, voilà, des moutons, des chèvres, vous avez tout le bataillon, là, c'est pas un bataillon, d'ailleurs, voilà, bravo Dieu. Allez, nom de Dieu, cette fois, je vous dis, bonne nuit, dormez bien les gens. Oh non, oui, bon, je vais tourner la grange là-bas. Oui, je vais aller voir un canon. Oui. Allez, à voir!